Exceptionnellement, cette semaine, et surtout à la demande générale, on a décidé de quitter notre piste ovale de Saner pour vous présenter une expérience 4x4. Et comme vous avez été nombreux à me poser des questions sur le Toyota FJ Cruiser, eh bien, ce sera notre véhicule d'essai cette semaine. Alors, allons-y! Le FJ Cruiser est disponible en une seule version et ses prix varient entre 30 et 40 000 $. De série et parmi les caractéristiques les plus intéressantes sur le FJ Cruiser 2007, notons la suspension indépendante aux quatre roues. Deux groupes d'options sont disponibles, soit le groupe B et le groupe C, ainsi que la transmission, qui peut être offerte, bien sûr, en mode automatique. Notre modèle d'essai est muni du groupe B avec la boîte automatique, ce qui inclut le régulateur de traction, le régulateur de vitesse et le sonar de stationnement et de recul. Le prix de notre FJ, 34 500 $. Il semblerait que là, on va vivre l'enfer. Amène ça! C'est pas assez! C'est pas assez! Quand t'as un bon chauffeur, c'est ça que ça donne. Non, je veux dire, quand t'as un bon véhicule, c'est ça que ça donne. J'étais sûr qu'il allait dire « Ça y est, il est fait! » Puis là, ils ont toute la face longue parce que j'ai pensé. Mais je vais vous dire que j'étais un petit peu nerveux. Et j'ai eu peur. Ça bouge. Les sceptiques seront confondus! Je suis pas sûr de passer là. Je penserais pas. Je l'essaye, je l'ai jamais essayé. J'ai pas les pneus. Le véhicule, d'après moi, le FJ, il est capable de passer là avec des bons pneus. Mais avec ce que j'ai là, en tout cas, je vais l'essayer. Puis sur le bœuf, comme on dit, donc en vitesse très, très basse. Je vais l'essayer. Bon, alors là, j'ai pas les pneus pour passer. Je suis obligé de m'avouer, mec. Mais si tu veux, un gars s'essaye, là, mais là, il y a toujours bien de limite. À moins que si je m'accotais... C'est ça, c'est que j'ai pas d'adhérence de mes pneus. Si je pouvais avoir plus d'adhérence des pneus, je serais correct. C'est tout de même impressionnant ce qu'il est capable de faire. Il reste quand même... d'autres étapes à franchir, c'est pas fait. Ouh! D'ailleurs, je regarde la montagne qu'on a grimpée, là, et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on redescendra pas par en arrière sans le vouloir. Bon, on va essayer de grimper ça, cette pente-là. On va essayer d'être passé par là. Oh non, je suis en suspension. Attends un peu. OK. Bon, ça, c'est bon. Hé, monsieur. Quand tu penses que j'ai des pneus ordinaires? OK. Quand on réussit pas... Bon, ça, c'est bon. On donne un coup, on pousse. Ça donne rien de faire forcer puis patiner les roues quand ça avance pas. Ça, c'est une autre technique qu'il faut jamais oublier. Quand on n'a pas d'adhérence, on est mieux de se reprendre. Là, il faut que je passe là-dedans. Je sais pas comment faire ça.
manière. Et voilà. Bon, là, c'est la roche. La fameuse roche. Le FG Cruiser est un vrai 4x4 capable de faire face aux pires conditions routières. La seule chose, c'est que si vous faites du hors-route, chaussez votre Toyota pour être en mesure d'exploiter au maximum la traction disponible. Donc, un bon 4 roues motrices avec une mécanique très, très sophistiquée, surtout très robuste et fiable. Évidemment, on peut le comparer au Jeep Wrangler Rubicon. Et je peux vous dire qu'on peut le faire de façon avantageuse parce que, contrairement à Jeep, Toyota utilise une technologie au niveau mécanique beaucoup plus sophistiquée. Donc, le FG Cruiser, le 4x4 de l'heure.